Nous voilà revenus de la récup et je vais faire un petit inventaire de ce qu'on a trouvé ce soir. Alors, des mouchoirs, des oranges hein, qui sont très bien, juste une qui a été un peu écrasée, mais les autres, pas de problème. Des poireaux intacts, on a récupéré un pack de lait du 7 mars 2020, un pack de jus d'orange 3 agrumes du 24 septembre 2019. Mais bon, ça c'est pasteurisé, donc ça conserve. On a un pack de PQ. Ensuite, on a récupéré la brie d'hélice du 4 décembre. La crème fraîche du 31 décembre. Un super pack de nut butter filled. Apparemment, c'est super bien pour l'escalade, pour la randonnée. Donc, ce sera parfait. Des Kit Kat, des barres de céréales. On a des perles de lait du 9 décembre. Ah oui, je rappelle la date, nous sommes le 7 décembre. Oui, oui. D'accord. Alors, on a des danettes du 25 décembre. Là, on a récupéré le boudin noir du 11 décembre. Et on en a 1, 2, 3, 4 et... non, c'est pas 5, mais là, en dessous, c'est, c'est la viande de veau. Non, non, c'est l'andouille, là, à côté. C'est viande de veau du 6 décembre, mais qui a encore une très bonne allure. Alors, on a les yaourts fromage frais du 31 décembre. Les carpaccio salade, donc très bonne conservation, à consommer jusqu'au 6 décembre. Puis, on a le jambon jusqu'au 23 décembre. Donc encore, comme la dernière fois, il y avait déjà eu les 3 andouillettes pur porc qui sont du 5 décembre. Et voilà, donc encore un. Hein. Donc la dernière fois, il y en avait un, là il y en avait 3. On les a partagés parce qu'on était 3 sur la récup. Le bloc de foie gras, canard entier. C'est pas la meilleure marque, hein, mais bon, c'est déjà ça. Et qui périme de façon complètement absurde. Voilà, 30 avril 2020, donc il est encore très bon. Quelques macarons du 9 décembre, des escargots, donc ça ira très bien avec le foie gras pour faire notre repas de Noël avec aussi le boudin. Donc ça, c'était dans une boulangerie, donc on a récupéré un sandwich, deux sandwichs, plusieurs pains, un gros pain ici. Là, tout dans le supermarché, des bonbons, la mimolette du... 2 février, donc aucun problème. J'ai récupéré cette espèce de boursin voilà, frais. Un super fromage découpe. Donc, celui-là, il est au 16 décembre, donc aucun problème. Donc ça, c'est quelqu'un qui a dû le demander, puis qu'il l'a pas pris. Du coup, ils l'ont jeté. Ensuite, j'ai ce super maxi format président. Et donc ça, c'est pareil, c'est parce qu'il manquait de bouchon, je crois qu'ils l'ont jeté. 11 février 2020. Les champignons bio du moi j'ai pas la date sur les champignons, mais bon, ils ont l'air très bien. Et enfin voilà, des petits biscuits récupérés aussi, donc qui ont été jetés parce que voilà, 3 novembre 2019, donc ils étaient périmés. En effet, voilà. Donc on voit qu'on se rapproche des fêtes hein, quand on commence à récupérer ce genre de trucs. Ça va aller crescendo jusqu'à Noël et après. Surtout le foie gras et le boudin, tous ces trucs-là, il va y en avoir beaucoup. Et voilà, j'allais l'oublier, mais il y avait aussi cette magnifique plante qu'on a récupérée. Hein, donc, on ne sait pas trop si c'est un citronnier ou un oranger, mais voilà, on a récupéré une magnifique plante qu'on a sauvée. Elle avait été jetée vivante dans la benne. Voilà.